Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Et encore, merci d'avoir accepté d'être avec nous cet après-midi. Cela fait vraiment, vraiment plaisir. Il y en a avec qui je suis déjà habituée à collaborer. Il y en a qui sont. Ça va être la première fois qu'on va travailler ensemble. Mais j'espère qu'on va passer un très bon après-midi. On va beaucoup apprendre et partager là, surtout en ce qui a rapport avec et puis environnement, c'est vos amis là, environnement, changement climatique, créativité. Donc, ça y aura d'accord gros point, conversation que nous pour faire après-midi. Hein. Premier panel nous pour jeudi. C'est avec Tony Lee, qui c'est un artiste et un activiste environnemental et qui c'est créateur Tanama, qui c'est un acteur ou bien en même temps tout un activiste environnemental. Par contre, si bien décrit Tanama bien, mais Tony vient pour parler plus de ça avec nous, parler comme ça. L'autre monde sur le premier panel là encore, c'est Caroline Zéphir, mon désir. Caroline, c'est une créative avec un entrepreneur tout. Caroline, c'est fondatrice. Par contre, si je m'ai bien prononcé, si je pas bien prononcé, Caroline a corrigé. César Craft, qui c'est une entreprise qui fait recycler, qui fait formation sur recycler tout. Donc, il y a vraiment une un champ d'activité et changement climatique. Et l'autre monde qui est capable avec nous tous, c'est Surette Rigaudon. Surette, c'est responsable programme dans l'IDE Haïti. L'IDE Haïti, c'est une organisation qui a évolué en Haïti et qui travaille en pile tout sur la question de créativité avec Timoun, côté au développer d'acadie connaissances, dans utiliser créativité avec un plein de bagages que l'app capable présenter nous tous, je dis. Donc, premier, ça va faire, c'est pour avoir une possibilité pour nous parler un petit cas de travail, nous, de qui ça le fait, qui ça nous fait, qui ça est un travail nouillé, exactement. Passer, on va commencer avec Tony pour parler, nous, de projet Li et de Tanamato. OK. Merci parce qu'on invite aujourd'hui, hein, c'est un honneur pour moi. Et moi, ça a toujours intéressant pour plusieurs fois que mon ami, ton équipe, et femme, Jam, qui a fait des bails positifs, et son honneur pour moi. Je me toujours dit ça, je suis un garçon qui levait avec maman et je pas levé avec papa. Et moi, toujours valoriser travail et femme et qui a fait des bails positifs dans la société. Et moi, je suis un artiste visuel. Et ça veut dire que moi fais peinture, moi fais sculpture, moi fais graphic design et même plus focus sur bande dessinée. Et c'est surtout aspect éducatif bande dessinée hein, que moi aimais et aspect narratif tout là-dedans et bande dessinée hein. Parce que à travers bande dessinée ou ka, nous ca éduquer et nous ca en même temps tout et passer un bon moment. Nous sommes qui levé avec bande dessinée vu l'MPG. Et moi, je viens de réaliser que Haïti n'a pas un super-héros et pas vraiment un super-héros noir qui est populaire vraiment. Et mis à part de Black Panther, et puis avec quelques autres que nous avons compté sur le nous pas vraiment gain. Et c'est ça, c'est notre optique, ça, tout que moi créé Tanama. Tanama et son femme voyant que lié, c'est petit la nature que lié et tout. Et moi, j'ai créé Tanama après que j'ai fini d'étudier Beaux-Arts Illustration et dans l'école Altos de Chavon. Et surtout parce que moi, j'ai voulu créer un personnage qui est capable de la nature. Parce que sans la nature, nous n'avons pas de la aujourd'hui. Hein. Sans l'air que nous avons respiré, sans pied bois. Et puis, moi, j'ai réalisé tout que dans le monde bande dessinée, hein, pas gain yon personnage vraiment qui ka promouvoir environnement. Seul personnage ka
qui a un rapport avec la nature, vraiment, c'est ils sont méchants. Les Poison Ivy. Et c'est DC Comics qui publie elle. Et c'est une optique ça, tout que moi j'ai fait Tanama. Tanama avait dit papillon. Et dans le langage Taino, moi j'ai voulu honorer tout. Et Indien, yo, qui était premier habitant sous l'île. Hein. C'est ça qui fait que moi j'ai le Tanama. Et c'est ça, Tanama. Et pour voir les, son jeune femme, qui est Rachel, et puis. Et son histoire magique et que lié comme écrit et c'est l'esprit forêt qui balle don qui balle des pouvoirs côté que le cas communique avec plantes côté que le cas communique avec toutes les bêtes qui herbivores surtout et c'est ça et bah je t'en parler en top et poser une question. Et avec une présentation ça m'étonne une question peut-être qu'on venait pour vous. Mais nous pourrons quitter Seret pour une présentation sur le travail et l'implication de la communauté LIDEA. Donc, Seret. Bonsoir tout le monde, nous t'entendons. Oui, nous t'entendons. Désolé si ça coupe de temps en temps, nous avons un problème signal, nous connaissons. Yeah. Donc, je vais présenter encore, merci Wendy, tu as fait une première présentation, mais moi, je suis Gaudon Seret, je suis directrice programme dans l'IDEA IT. Et vraiment, je vais parler de l'IDEA IT, qui ça nous fait, mesdames. Nous, c'est un programme qui travaille pour autonomiser les jeunes filles et nous faisons ça à travers les arts. Et l'AMDI les arts, nous faisons photographie, nous faisons écriture créative, nous faisons théâtre, nous faisons jouette, nous faisons musique, nous faisons danse, ok? Et en même temps, nous faisons ça, nous faisons tout, c'est plus que ça même. Nous avons un programme pour développement de compétences émotionnelles à compétences sociales. Nous faisons ça à travers un groupe de discussion, travail en groupe, nous travaillons sur des sujets, des thèmes qui sont vraiment spécifiques et nous encourageons les services communautaires à travers tout ça que Tim et Dame nous apprennent dans le programme LIDEA. Et en même temps, nous avons un programme pour nous avons des programmes transition qui c'est un programme côté que nous concentrer sur le développement et compétences scolaires à travers un programme que nous relais et centre pour apprentissage nous baltinons pas dans l'idée nous by boost d'études donc peut-être ça nous fait programme spa ça pour aider mesdames yo avec lacunes que gagne yo dans l'école yo nous gain tuteur et professeur qui travaille. Excusez-moi. Nous avons un tuteur qui travaille dans alors professeur, éducateur qui travaille dans l'organisation. Côté que vous travaillez avec mesdames nous dans le programme SPA pour aider à combler la lacunes. Et nous avons un psychologue et travailleur social dans le programme. Nous essayons de mesdames nous appuyer psychosocial et nous faisons formation avec les parents. Nous faisons séance counseling pour tout le monde. Et fait à domicile la caillou pour que j'ai appris en supporter yo et donc on pense me dit tout bagaille oui et puis nous on est nous gain infirmière dans programme là pour aider yo avec question santé yo et voilà donc on pense que me résumer et vraiment en gros qui ça que nous fait dans Gonaïve et c'est pas seulement dans Gonaïve nous travaillons dans les coteaux qui dans sud et pays a et donc nous fait même c'est même travail avec ces jeunes mesdames ça yo de 8 à 24 ans et nous travaillons tout avec ces monde qui gagne à mobilité réduite et dans programme ça nous prend les petits garçons OK la donne mais voilà en gros c'est ça que nous fait dans l'idée si nous avons question après mieux.
Wendy me croit au mute. Désolée. Donc, j'aime t'en dire, c'est un pile activité que le groupe LIDER a fait. Et LIDER, c'est une organisation que j'ai découvert l'année passée. Et j'ai vraiment émerveillé pour tout le travail qu'il a fait. Et j'ai fait des recherches et sur le website et tout. Et j'ai arrivé à connecter avec moi. Et puis, bon, c'est année ça que nous arrivons à collaborer vraiment. Dans un projet ensemble, mais vraiment espérer que nous allons aller plus loin toujours parce que le travail là en pile et nous sommes en pile tout avec les moyens que nous avons vraiment, vraiment apprécié ça. Donc, avant de continuer avec les questions et plus de détails, je vais passer à Caroline. Caroline qui va parler nous de travail PAL avec l'agence PAL. Bonsoir Wendy et bonsoir à toutes et collègues qui partagent panel et conférence avec moi. Jean Wendy Dili, moi c'est Caroline Zephyr, moi c'est fondatrice César. César qui c'est une entreprise artisanale que moi j'ai lancée en 2016 dans Jacques Mel. Et avant ça, qui était une entreprise qui était seulement en production et vente d'accessoires artisanaux, plus précisément bijoux. Mais en 2021, nous avons vint et rebrand, si nous avons dit comme ça, pour nous tourner une plateforme de formation physique et en ligne qui non seulement forme les gens dans ce qui a rapport avec l'artisanat, mais nous gagnons tout un aspect et un volet recyclage créatif. Recyclage créatif là, qui s'est lié, c'est le fait que nous prenons de produits ou bien de objets qui à l'état de déchets et puis nous transformer yo, nous venons faire retourner des œuvres d'art. Donc moi travaille en pile avec et déchets dans quelques pièces, mais moi travaille avec matière première, ça veut dire que de objets qui pas nécessairement fatra. Donc César gagne une initiative que l'été lancé, ça gagne 5 années de cela, César gagne 6 ans, mais initialement ça qui c'est week-end de l'artisanat gagne 5 ans. Donc c'est deux week-ends de formation que nous généralement fait à travers et deux zones bien spécifiques dans le pays a. Et actuellement nous a fait tout, nous réaliser autour dans la République dominicaine. Donc week-end de l'artisanat yo permet que nous-mêmes qui dans César nous former et jeunes dans ça qui a rapport avec l'artisanat. Donc nous avons gagné de sessions de peinture, de macramé, de diadème, de résine, etc. Donc César gens que nous connaissons là, nous et gagné formation tout en ligne, j'aime t'a dit tout à l'heure. Donc en ligne nous gagné formation de macramé et nous gagné de l'autre formation tout que nous prévoit mettre disponible pour monde qui vraiment pas gain temps pour yo ta vini dans formation physique nou yo. Donc nous-mêmes nous vraiment et mettre accent sur recyclage créatif là dans dernier moment ça yo parce que nous penser que Haïti est vraiment besoin support chaque graine citoyenne pour aider gouvernement ou bien chaque graine moun pour aider zone yo gérer fatra puis bien. Donc nous décider plus vraiment mettre focus nous sur recyclage créatif là dans dernier temps ça yo c'est pour nous capable et vraiment montrer population en vraiment que problème ça li existe dans pays nous gain en pile fatra nous ta gérer et que li important li urgent pour nous mettre main nous dans ça. Donc moi pas vraiment vle faire tout on et kembe kon nan trop. Donc après nous capable poser une question, mais ça que pour nous connaître c'est que César c'est une entreprise artisanale qui non seulement fait travail avec matière première mais nous recycler et objets tout. Wendy, micro ou fermé? Toujours oublié si tu as un micro. I'm so sorry. So, moi, te fait connaissance avec travail César. T'as pas gagné 2 ans, moi, quoi? Un peu dans la période de montrer dans la communauté branche. Donc, c'est un travail que m'a suivi assez longtemps, même les potes qu'on fait et t'as dit connaissance avec Caroline. Avec travail, il créait
soit avec moi ouais les faire formation soit avec des jeunes qui dans bas âge ou bien avec grand monde tout côté créer des services qui vraiment belle et qui utile tout parce que des fois ils créent soit un ou bien des objets utiles plus comme des choses comme ça aussi. Donc bah c'est première question que moi t'avais pour nous tous parce que nous tous nous n'en façon l'autre nous dans domaine créativité là mais nous dans question environnement nous gagnons façon que n'aborder environnement mais on t'a dit nous gagnons souci pour ta côté wash pas nous dans solution quelconque pour résoudre problème changement climatique. Donc première question c'est pas qui ça qui t'est d'accord réveillé envie rentrer dans chemin ça la caille nous. OK, qui ça qui t'est dit bon oui, on peut utiliser artisanat pour parler d'environnement. Oui, on peut utiliser créativité pour réveiller conscience l'autre monde sur problème environnement. Qui ça nous t'est ouais, qui ça qui t'est vraiment déclic là et nous t'est lancé nous un peu dans chemin au monde qu'est-ce qu'il veut avoir. Bon, pour moi, et ça que t'es frappé, c'est surtout bon les malgré le pays, genre les malandres surtout et puis moi, j'ai des côtés boisés mais j'ai des côtés pas boisés surtout dans la capitale là. Et puis c'est surtout les mal et les mal étudier à Zone de Chavon c'est domaine que moi réalisé qui genre que pays en boisé puis boisé parce que pas nous et puis me dit que qui genre que m'te gagne porter à propre pam et la façon pam. Et pour moi sensibiliser surtout Timonio c'est l'avenir et payant moi nous toutes là nous parler avant Timonio génération qui va venir hein. Ce qui gens que moi ca porter à propre et puis il est pas facile pour joindre des modèles et dans société nous et me pense tout que on personnage fictif et qu'a inspiré jeunio et faire des célébrités parce que l'aime d'a grandi. Il y a des super qui t'ont inspiré. Et vraiment vrai, ça t'a bon mon encouragement. Les compagnies Timberland qui fait et Botio avec Mario, t'a fait approche avec eux. Et ils ont nommé un brand ambassador pour eux. Donc, une campagne qui est Nature Needs Heroes. Et c'est grâce à Tana Marto. Parce qu'à travers l'histoire, on m'a parlé de changement climatique, on m'a parlé de reboisement. Et so, c'est ça que vraiment t'ai inspiré, c'est vraiment et les m'a regardé situation pays, m'a regardé que qui gens que notre grand monde était qu'on dit l'appel des Antilles et puis qui gens que par des théories et puis qui gens que moi était qui gens avec moi qui gens que m'était créé un déclic et dans tête Simonio côté que puis ouais environnement tant que son un côté que côté qui a vivre et côté que qui utile de tout parce que si environnement pas là et pas plateau. Yeah, moi vraiment d'accord avec ça. D'ailleurs, c'est un bail que moi remarqué en pile, sous ta prête son timon, t'a dit s'il t'a voulu gon pouvoir, la pote automatiquement dit soit elle voulait gain force, soit elle voulait courir rapide, soit elle voulait ça qu'on ouais dans télé. Mais si avec projet Tanama, avec Tanama plus timon, qu'on ça Tanama ka fait plus timon qu'on pouvoir Tanama, nous ka jeune des réponses différentes qu'on y a, là nous mander un timon qui ça t'a voulu hier. Ou bien s'il a un pouvoir pour le choisir qui s'attaille parce que on pouvoir pour dire protéger la nature pour dire même si garder la nature c'est un gros pouvoir parce que c'est là nous c'est dans notre vivre c'est sur terre nous doué après de vivre donc on pense que c'est un très très bel bagage. Merci. Bon. Alors, deuxième. Oui, merci. Oui, merci. Donc, nous devons dire que mesdames, nous, avec mesdames que nous travaillons, c'est petit, madame Sarah, yo, maman, yo, papa, yo, c'est agriculteur. Donc, yo, tout ça qui a rapport avec l'environnement, vraiment, et tout ça a un rapport avec comme si toutes conséquences changement climatique là côté si mon yo vivre directement. OK, et là parler d'environnement là on en ville là dehors vraiment
ou senti que on a bon comme si élément comme si pour adresser un pile et problème et qui donc nous venons comprendre pas vraiment à quelle activité OK que nous capable faire sans que nous pas adresser sans que nous pas détourner quelques sujets et vraiment les nous garder par rapport avec ça mesdames nous recevoir dans l'école nous venons sentir que gain on manque gain on bagaille comme si gain on bagaille pas joindre et dans l'idée nous essayer bail vraiment ça on pas joindre là comprendre vraiment problème adresser problème yo d'une façon que yo tout yo comprendre yo et ouais identifier problème yo donc penser ça c'est une bagaille qui était vraiment pousser nous commencer et adresser problème qu'il y a avec causer environnement yo. Si moun nan ka peut-être en philo, li pa konnen sa ki changement climatique, mais li viv conséquence yo nan avril. 6 ans c'est en de cela, les nou vini au naïf, nou et comparativement avec Konya, c'est pas même bagay la, OK? Niveau moyen moun yo baissé parce que Konya y a viv problème qui gen rapport avec comme si sécheresse. Donc vraiment ti moun yo viv conséquence yo. Et c'est pour ça que nous trouvons que l'important que nous adresser tout problème qui est lié avec tout ça qui a passé dans l'environnement pour comprendre et qui gens qui sont capables de même porter une capable de contribution pour comme si nous avons aller mieux dans ça. Donc vraiment c'était une urgence pour nous, nous pas vraiment gagner le choix et vraiment notre communauté que nous travaillons pour notre communauté en dehors, c'est de ça par vivre et en pile dans aussi dans ça retourner. Donc, c'est vraiment urgent et nécessaire pour nous être capables d'adresser avec mesdames. Yeah, ça, c'est un bagage qui vraiment attire l'attention. Le fait que si nous vivons dans l'environnement, la vivons même à tout ce qui a passé, mais pas vraiment connaît qui ça a eu, pas une idée d'Acadie. Mais mon idée scientifique ou bien même d'acadéter de ça passer dans l'environnement malgré c'est la levée c'est ça le parent l'a fait donc former ti moun nan sur ça qui passer dans l'environnement et utiliser un outil qui fait le comprendre plus rapidement qui c'est créativité d'après moi quand on pas passer par mille et une chemin pour faire ti moun nan comprendre ça qui passer donc on passer son bagage qui vraiment important et qui méritait d'accaser plus l'autre organisation tout si tout ça qui travaille dans dehors ta pensé sur ça. Donc moi à continuer et moi-même raison qui fait que moi t'ai commencé recycler objet yo c'est d'abord c'est d'abord chercher que m'tap chercher une façon pour moi rester consistant ou bien pour me continuer produire pendant même que nous t'étais dans confinement. Donc ça a commencé avec confinement côté que moi t'étais vraiment envie créer de pièces, m'étais vraiment gagner yon chaleur dans moment parce que m'étais fait un pile temps dans caille et là comme si m'étais venir recommencer produit, m'étais venir gagner manque de matériel. Et puis c'est de là moi dit que mais pour qui ça moi pas capable essayer créer de pièces avec de fatra ou bien de objets qui vraiment pas utile moi encore. C'est de là que m'étais essayé et le moi essayé public l'a tellement prend ça à cœur, c'est là tout moi pral venir comprendre dans quel niveau recyclage en général plus précisément recyclage créatif là, li extrêmement important. C'est là m'pral comprendre que recyclage créatif là, li a important pour nous-mêmes tout en Haïti parce que moi je dis ça, nous gain en pile ville peut-être ça a gagné 5 à 10 ans de cela qui vraiment pas connait pile fatra. Ma par exemple au Cap par exemple, au Cap 10 ans de cela, au Cap pas comme ça. C'était vraiment belle ville et assez propre comparativement avec capitale nous Port-au-Prince. Mais dans dernier aller au Cap là, au Cap tellement gain pile fatra parce que nous vraiment mal géré fatra yo. Donc ça vient rendre que moi dit moi que li extrêmement important pour moi mettre plus focus sur recyclage créatif là
comme moi même moi pas capable englober recyclage là de façon générale, mais si moi mettre focus là sur recyclage créatif là, ça veut dire prendre artisanat, prendre là mettre là avec recyclage, c'est sûr que moi gagner yon solution ou bien yon bagay en plus que me cap porter, parce que gagner yon enquête, un classement que Forbes t'es sorti, Forbes Magazine t'es sorti un classement en 2018. Capitale nous Port-au-Prince, c'est quatrième ville qui pis sale dans tout le monde. Vous comprenez? Donc, le mois de gagner pour faire une première conférence sur recyclage créatif, importance, etc. Et puis, moi, je viens de donner ça. Moi, je dis, mais il faut m'arrêter plus dans ça. C'est vrai, avec l'autre activité que nous gagnons dans ces heures, je ne suis pas vraiment capable 100% dans le recyclage créatif. Là. Donc, mais moi, je pense que désormais, c'est a toujours gagné une rubrique qui focus sur ça. Parce que en tant qu'haïtien qui a vive dans pays ou bien qui connaît que pays a gen un grave problème de gestion de déchets, on pays côté que plus jour a passé, c'est plus nous zone nous yo ville nous yo a vinn pi sale. Donc moi penser que moi dois rester dans ligne ça. On cap toujours faire de l'autre bagaille, mais recyclage créatif là li extrêmement important, li urgent, j'aime te dire tout à l'heure, et li obligatoire. Donc ça t'est commencé j'aime dire nous avec confinement. On devait vraiment vouloir travailler, mais comme moi pas de joindre, moi t'es obligé faire en façon pour travailler avec les moyens du bord. Et désormais, moi resté là parce que me pensais que li extrêmement important pour nous. OK. Gen yon bagay ki te atire atansyon mwen, se ke yo di le fe ke chanjman klimatik la son bagay ki lan, se tout sa yo prevoa pou chanjman klimatik, se pa yon bagay ki petèt men men ma pouè, se petèt pitit men ka pouèl. Donk li vin fe ke leve de konsyans lan li pa fèt vreman kay tout moun ou bien gen de moun ki jis di bon sa se kek bagay mta kazo ke ou konen organizasyon yo mette la pou yo travay. Donk yo pa vreman wè urjans lan nan sütou sa gen rapor avèk chanjman klimatik la. Donk sütou an Haiti koun ya sin ap pozisyone nou an Haiti kote ke nou kont situasyon peyi a ki jan moun trete fatra, ki jan moun trete environman nou, ki menm ta ka di rentre nan kulti nou menm depi moun nan seulement an Haiti l gon fason kompote l, men dès que li travèson l'autre côté l konnen ke sa pa Haiti, mwen pa fè tel bagay la, tel bagay nan menm mwen pa plage la, men dès que li sou teritwa li fè salve. Men sa kesyon ta gen pou nou, se si nou ta gen pou nou fè, mwen ta ka di on program de sensibilizasyon ou bien un program de formation sou conseiller moun, sou éduquer moun, former moun sou à la fois changement climatique là et comportement yo doit gagner envers environnement, même s'il va obliger moun qui vivent dans la nature exactement, mais tout moun capitale ou bien province, qui comportement yo te ka gagner pour alléger d'akadi et une question de fatra nous gagne en Haïti, question de inondation et me j'en construit tout ça, mais comment c'est parti moun yo. C'est ti moun yo, pour moi, cerveau jeune, yo petit toujours. C'est comme bay ka donné un côté sur cerveau ti moun. Donc ça comme toujours focus sur ti moun, surtout pour des séries de bagay qui plus futur. Donc c'est ça m t'a gagné comme question. C'est pas toujours dit les femmes d'abord, mais si madame qui t'aime parler m'a parlé. Oui, Tony, allez non. Et avec projet Tanama, ça m'a commencé à faire même avant et qu'on a vu ce pied, c'est que en financement et bande dessinée et m'a remercié tout ambassade américaine, parce que ambassade américaine t'a financé et impression livre là et qui était vraiment on chaye en moins sous épaule moins et ça m'a été fait c'est que m'étais gain une liste d'école côté que m'étais parlé dans chaque école avec yon m'étais print m'étais info impression Tanama qui tant qui gain size en vrai monde et puis mal dans différentes écoles m'étais rivé aller dans école Jean-Paul II qui sous Tabarlan et qui plus
grand pile ti fi la dan ki te vraiment bon parce que ta dans son femme que lié m'te vle tout parce que surtout que dans société haïtienne qui sont société machiste que lié côté que si timonyo ouais gon femme ka fon baie positif si mesdames yo tout jeune femme yo tout ka inspiré de ça et les mal dans l'école yo ça m'te toujours gain intention fait et que moi t'ai fait tout c'est planter un pied bois nous plantons pied bois ensemble à Simonio et laisse ça tout et chaque fois que moi retourne ici parce que là c'est Washington que moi y et nous plantons bois et chaque fois que nous retourner pour aller faut pied bois ça et puis nous qui évolution pied bois ça a fait et là connait tout que moi pour moi sorti deuxième livre dans la Mato Washington et moi joindre et opportunité pour m'aller plantons pied bois tout dans parc les Montgomery Park qui Washington et parce que c'est des activités consacrées et faites avec Timonio mais surtout non pas seulement comme si pour Timonio ouais comme si dans son leçon mais son bagage qui comme si qui amusant gain hors la donne et m'a attendé oublier dame qui dans l'idée de rencontrer fondatrice de Catherine Adams et qui décédée et moi j'ai rencontré avec tout et puis dans bande dessinée tout gon jeune femme qui sortit dans l'idée et ou pas, peut-être qu'on par contre ça même espé les livres ça sera pour carré ti dame ça et ti dame ça li son ti dame qui pas ka marcher mais li son chaise roulante mais li gagne des super pouvoirs tout et c'est juste pour me ka intégrer tout jeune là-dedans dans livre et pour montrer que c'est pas parce que soit montrer ti moun soit ba ti moun leçon c'est trop et pédagogique si pas gain créativité là-dedans là juste l'île et puis il pas vraiment entrer là-dedans mais si nous mettons en plus c'est vie plus et créativité là-dedans la plus intéressée et pour lui apprendre et puis pour lui comprendre tout parce que si mon c'est tellement et travail rapide sous focus li sou pas arriver à tirer attention son bagage l'esprit gain t'en parle de l'autre côté c'est que faut qu'on vraiment fongeant pour les rester pour la suivre et puis pour les comprendre et que non seulement que son bagage qui la peut enjoy mais en même temps tout que la va apprendre je pense que approche et créativité avec éducatif là tout parce que son bagage qui est super important pour moi parce que je connais que surtout en Haïti bon moi-même tout me vivre li bon bah que le boucan ou appeler un livre ou appeler une leçon ou juste appeler des textes puis maintenant faire journée ou pas me comprendre vraiment ça qui a passé c'est-à-dire que je pense que approcher avec timonio t'as supposé surtout avec timonio différent parce que grand monyo yo même yo fin tête yo dur ou bien même moi-même des notions qui peut-être pas ca rentrer encore dans tête parce que nous gain temps m'getan là yo mais avec une livre vraiment façon t'a dit et t'a l'air que yo jeune que yo ont envie apprendre tout et c'est ça oui par contre si on continue avec Serette même songe moi t'ai ouais portrait que t'ai fait pour l'idée Tony oui même pas de connaître que c'est un autre projet qui va venir avec comment l'idée vraiment content que nous tous les deux là. Oui, Wendy, m'voulais dire que en effet c'est un projet collaboration avec Tony, c'est un bagage que dès que ça t'est vraiment un chéri en pile, c'est un projet que t'es vraiment un chéri et j'ai que me poster et parce que c'est une très belle collaboration, j'espère que nous continuer sur ça. Parce que tu mesdames nous a vraiment apprécié parce que pas vraiment de chance même le capable et par contre je comprends une question là bien Wendy mais ma PC aller sur même passer avec Tony à travers activité que nous même dans l'idée que nous fait avec dame yo sur point ça nous fait alors nous te distribuer quelque en plantule avec mesdames yo et peut-être planter dans zone là caillou et nous t'ai essayé faire suivi allez ça toujours regarder côté et j'attends mon prend soin yo est-ce que prend soin yo grandit et en plus de ça
nous essayer et nous qui ça nous fait nous garder qui gens ça y est dans réalité. OK, nous garder qui gens ça y est dans réalité pour comprendre comme si qui gens action yo et qui gens ça vivre. OK, gagner et impact sur environnement, qui impact que même gagner sur environnement et ça qui passe dans la vie, qui impact direct ça qui rapport ça gagner avec changement climatique et tout ça. Et comme ça nous essayer regarder qui ça qui action que nous rapporter. Dans à travers action ça, à travers discussion ça et là que nous chita parler, nous arrive avec des activités côté que nous fait soit avec théâtre, OK? Et on vient avec des improvisations pour expliquer des situations. Pour faire mon rire, pour faire mon prier, pour faire mon prendre conscience et sensibiliser mon yo aller dans la communauté là, comme si pour dire mais qui ça t'a fait dans telle situation, qui j'ai que nous-mêmes dans la communauté, nous capoter à pour pas nous et vraiment porter ça aux jeunes dans le programme là, pour le monde qui est dans la communauté et aussi à travers photographie. La photographie, le cas capturé comme si image pour montrer qui effet qui ça qui arrive qui genre changement climatique affecté communauté ou qui genre affecté zone donc qui genre utiliser qui genre observer avec ça pour montrer mon pour faire mon comprendre qui ça qui passé dans ville ça qui passé dans communauté ou. Donc en fait c'est comme ça nous et aussi à travers l'écriture OK pour écrire vraiment parfois penser parce qu'on est en Haïti souvent pas vraiment bay ti moun et des capti opportunité pour parler pour bay avis yo attendre yo et me penser tout ça c'est une façon pour aider exprimer et dire que j'aime mieux les bagages que j'aime comprendre yo et qui ça yo et qui action capable porter pour comme si gagner porter alors qui contribution que pas porter pour gagner changement que tout souhaiter. Donc voilà en gros c'est ça que nous fait et voilà. Donc si moi gagne bagarre moi manquer si on pas de envie qu'on est plus sur ça nous met dit si. Oui, pas de problème nous te répondre question moi là on suivre avec Caroline. Et OK Wendy, bon question c'était qui ça nous pensait nous capable faire pour nous ta capable et mettre main pour changement ça qui a bien pour faire et pour au moins nous ta ca faire un bagage positif pour même si ça privé mais au moins on connaît que nous t'ai contribué dans aider atténuer tout dégât. Dans 16 ans, nous gagnons un projet que nous avons lancé au Cap Haïtien. C'est en collaboration avec We Women. We Women, c'est une organisation yon zanmim qui est l'Evansi. L'idée projet alors est venu après la conférence que nous avons fait sur le recyclage créatif dans l'occasion de la 5e édition Weekend de l'artisanat qui était faite au Cap en janvier. Le mwen te fin fè konferans lan, mwen te di Levansi li vraiment urgent pour nous. Pour ta écrit yon bagay sou ça parce que comme li même li gen un réseau de jeunes qui a travaillé avec, li kon travay tout avec écolier. Mwen te di que comme on travaille avec l'école, mwen pense li important pour nous fon bagay ensemble sous recyclage parce que au Cap vraiment besoin ça. Donc mwen pense que la kounya et César gagne collaboration ça que nous commencer avec We Women. Cependant, pour nous ta vraiment faire plus impact et puis faire mon yo plus comprendre pi bien qui ça qui changement climatique là, qui toutes conséquences négatives que ça capable gagner sous génération future là parce que Jean-Wendy Tabzili, mon yo vraiment pas bay ça grand importance. Parce que dans tête yo just attend ni rivé ou bien dans tête yo c'est juste yon pas même connait qui j'aime ta dire mais yo pas quoi vrai que dans quelques années k'ap vini et que bagay yo pral pi de mal en pi. OK, donc et m'pense que yon nan bagay que moi même personnellement m'pense m'ap bien pour me faire avec César c'est aller vers plus moun ou bien plus organisation qui nan qui a fait social, qui dans domaine recyclage ou bien qui a travaillé avec timon ou bien amon en général
pour nous garder pour nous dans quel niveau nous sommes capables toujours collaborer pour nous capables mettre plus focus sur ça. J'en te dis nous moi vraiment après même mettre plus focus sur ça et plus moi joindre de monde de groupement qui invite me venir parler de ça plus et moi connais que gon 10 moun en plus qui attendent ça, ça déjà pour moi suffisant. Ça déjà pour moi est un gros pas. Alors, il n'est pas suffisant mais ça déjà pour moi un pas. Donc c'est une façon pour me dire que avec ces heures nous gagnons non seulement travail ça que nous avons fait qui c'est produit œuvre et moi gagne de formation tout que moi baille sur ça et moi montrer mon yo qui gens pour recycler bouteilles en verre qui gens pour recycler carton qui gens capable faire de belles décorations murales avec carton etc. Donc moi baille formation ça monde qui intéressé qui veut ça et qui veut ça belle yo vinn prendre formation hein. Donc mis à part ça nous commencer projet avec nous et nous vraiment ouvert et pour nous faire de l'autre collaboration qui aller dans même sens là parce que changement climatique là il est réel il est vrai et nous vraiment de détails nous commencer à pouvoir OK c'est pas comme si c'est une parole et moun ki nan domaine na ba nou kembe mais li vraiment important pour nous ta mettre plus ressources dans ça plus focus sur ça donc en gros c'est uniquement ça que moi t'a dit concernant ça oui et nous même tout nan autre nous aller dans même ligne avec toi Caroline et nous rejoindre en pile dans l'autre et ça l'autre dans panel yo te dit gen sa rele bon c'est pas jeune jeudi a li paraît mais li vinn pi en vogue ces dernières années surtout ces 5 dernières années surtout avec gen changement climatique yo paraît pi bien dans notre pays donc gen des conséquences qui pi m'ta ka di grave qui gen tan et en fait dans notre pays donc environnemental qui ça lié c'est tout artisanal que lo pratiquer ou utiliser soit pour sensibiliser moun sur environnement soit ou utiliser un médium d'acadie qui naturel OK donc là utiliser un médium qui naturel c'est soit il y a moun qui fait tableau avec fleurs naturellement il y a des moun qui pas utiliser seau et qui pas biodégradable il y a moun donc n'importe médium ou tu as utilisé pour faire création là ou bien là fin faire création là un message moun ka wè là-dedans ou bien gagne façon ou exposer un sujet qui rapport pour l'environnement. Donc, ou ka rentrer dans la catégorie artiste environnemental là, même si c'est pas là-dedans ou spécialisé. Donc, mais son bagay que moi remarqué indirectement, un pilatis haïtien, d'akadi yo dans la catégorie environnemental. Parce que majorité pète nou yo, si surtout ce, si tout d'akadi artiste, qui toujours exposable dans la rue ou bien qui pas vraiment sorti en classe qui trop élevé si on gagne plus au fond tableau là basé sur la nature si un paysage à peine c'est un bagage de ce genre que à peine mais des fois même question qu'on gagne qu'on pose peut-être moi le monde en fin peine paysage là est-ce que le pas ouais des fois paysage là par aller à réalité est-ce que le pas bon on levé de conscience la qualité des fois n'a pas une belle plage vraiment n'a pas une belle rue n'a pas un pile belle bagaille mais c'est pas là d'avoir vu même quand au chita pour peine c'est il doit vraiment désagréable donc faire attiser la seune comprendre ni son l'autre faire message la passer ou bien partager message là c'est un autre bagaille donc il est vraiment important même les ou fin créer soit créer ou bien entrer dans un mouvement pour qu'on qui gens pour partager soit le faire partager ou bien pour vraiment qu'a gagner lever de conscience là pour que bon ça important et il mérite pour l'autre monde ta rentrer là-dedans donc c'est ça que fait nous t'ai vraiment voulu faire conférence là pour montrer monde connexion qui gagne entre créativité avec environnement connexion qui gagne artisan avec changement climatique et tout bon côté pam moi pas gagne l'autre question moi pas connais si gagne moun nan audience là qui gagne l'autre question ou bien si gon bagay nou vle ajouter nous live tout sur Facebook comme ta checke Facebook là tout comme sur
Nous live sur Facebook. Yes. Tout baga, ok. Ok. Bon, m'pa konnen si gen un bagay bon kote pa nou, nou vle ajoute par rapport à ça. Tony, Seret ou Caroline. Avant de passer avec deuxième panel là. Moi, te vle ajoute un bagay. Et moi vraiment vle fè un ti rale sou matière première yo. Parce que généralement, et lè ou di moun nan matière première ou bien lè ou di moun nan recyclage, yo konn vraiment pas comprendre exactement qui ça vle di. Par exemple, nan recyclage créatif là, gagnent plusieurs objets que moi recycler, gagnent plusieurs matières que moi recycler. Par exemple, moi recycler bouteilles, moi recycler carton, moi recycler bouteille en verre et bouteille plastique alors et moi recycler tout canette yo qui fait ça que nous relais boîte aluminium ou bien et aluminium et voilà donc moi voulais faire mon yo prendre que là nous gagnent yon peuple qui a consommé en pile produit qui vini nan sa que ça me sort cité là yo nan de matière qui en plastique ou bien de matière qui en verre qui en carton qui en aluminium etc. Fatra sa yo le nou fin utilize yo fatra que yo fè a yo vraiment difficile pour nous faire gestion yo donc si chaque grain nan nou pas conscient que li important pour chaque nou acheter yon un bidon d'eau par exemple nous oblige vraiment gérer galon ça ou bien jeter l'on côté que li pap nuit voisinage ou bien l'entourage ou bien zone nous n'a privé non moment côté que n'a marché sous fatranet et li difficile en pile pour nous faire gestion des déchets ça yo pour qui ça le plus difficile pour nous en Haïti c'est parce que nous gagnons de municipalités qui même pas gain qui pas même gain capacité pour gérer fatra yo yo même qui pourta gérer fatra yo pour nous qui pour ta gain de site de décharge ou bien de l'autre façon relé pour aider nous et là nous fin consommer et puis pour yo prendre pour nous pour gérer ça yo pas même gain capacité et c'est une nan raison qui fait ville nous yo pays nous yo environnement nous vin sale comme ça ou bien et environnement vin a polluer comme ça donc faut li vraiment important pour nous connaître que li pi important là nous consommer bio. Ça veut dire au lieu nous acheter un boîte pas tomate qui non aluminium, mieux vaut nous acheter tomate là en soi nous manger et puis en rien pas arrêter. Au lieu nous chita nous acheter un paquet de bagaille dans boîte de conserve, mieux vaut nous aller vers ça que jardin ou bien pays en terre cap tout ba nous et puis après n'a capable gagner de déchets qui plus biodégradable qui pas pral rester 120 1000 ans après qui toujours dans pays. M'te prend exemple au Caplan, peut-être qu'on y a m'ka prend exemple Port-au-Prince, garder boîte chaîne dans Port-au-Prince. C'est tout on m'a même pas cabal non parce que chaque la pli tombé boîte chaîne dans tellement est dépassé, débordé avec fatra surtout plastique. Donc li vraiment prouvé dans qui ni li urgent pour mettez plus l'amour bien mettez plus focus sur et environnement nous parce que nous pas capable continuer comme ça même là nous même en tant que monde qui a consommé nous pas ouais ça nous pas ouais impact là dans nous même physiquement c'est sûr que avec changement climatique là nous pas ouais ça dans monde là en soi nous pas ouais ça dans température en soi donc c'est un sujet qui est extrêmement important danger en là. Donc je pense li vraiment li intéressant pour nous faire plus parler sur ça pour plus moun capable connaître ça. Peut-être à chaque fois j'en te dit tout à l'heure même là c'est 5 moun n'a sensibiliser puis à comprendre. Et puis bon côté pas nous tout nous-mêmes faire travail dans la caille nous tout appliquer ça que nous a dit en faire en pile effort. Li pas facile mais faut nous faire en pile effort. On devrait attirer attention nous sur ça.
Oui, moi d'accord avec ça. Moi d'accord avec ça. La charité bien donnée commence par soi-même. Donc si n'a prêché un bagaille, faut nous faire pour nous voir que n'a mettre et que n'a appliquer vraiment et comme ça on a vu un exemple pour l'autre monde qui a regardé nous que les monde que les grand monde. Donc oui, Tony. Non, tu as dit ça madame Zifia tu as dit que c'est vraiment important et pour nous conscients de environnement j'ai pas dégradé et me songe que tu as en vidéo tout de boîte chaîne là ça t'a fait qui me fait mal en pile tu bon qui est plein tout pour m'regarder toute ba ça qui passe qui descend et son ba qui catastrophique et ça m'a ajouté tout c'est concernant vraiment Tanama et il y a toujours peut-être reproché que moi pas parler vraiment de Tanama bien et me tellement focus sur le travail que m'a fait hein. Et Anissa depuis bon Anissa surtout et gain bon nouvelle pour Tanama c'est que gain deux organisations internationales qui en Haïti tout qui les Fondation Cyprien ou SFA et yo naïve et puis Getrees qui Washington que les Trees for the Future moi font collaboration avec que côté que chaque fois que on monde acheter yon livre Tanama et c'est $1 aller pour planter un pied bois en Haïti avec au Sénégal et surtout Gonaïve et nous caler sur website après que c'est parce que généralement en plein monde mais moi-même tout gagner photo depuis me parler d'organisation de gentil gens réticents pour me connaître est-ce que vraiment qui a fait travail que dit que a fait hein? Mais SFA c'est Small Homes Alliance n'après travail que déjà fait en Haïti et puis Trees for the Future tout n'importe où c'est deux organisations qui vraiment solides et moi pas tap associé un personnage que moi créé avec combat que moi connais qui pas tap vrai et il tap détériorer non seulement image mais image Tanama tout parce que chaque fois que achète un livre Tanama gon pied bois cap planté et parce que c'est une façon pam tout pour et non seulement et les si mon acheté un livre mais pour les connaître tout que gon pied bois planté je pense que son bail qui super important et moi vraiment et fier et honoré tout que organisation ça a accepté et suivre Tanama et pour collaborer avec oui. D'abord dit m'a ajouté tout semaine dernière m'a prédit parce que m'a regardé pour qui j'ai que m'a pile follow sur Instagram s'il vous plaît à suivre Tanama c'est Tanama project tanama.project et sur Instagram et suivez-les et me garde sinon comme si que c'est pas seulement on super ou on femme vaillant cap qui livre seulement mais ils ont comment c'est en causant c'est vraiment planter puis boire non seulement planter puis boire tout mais encourager de planter tout parce que si n'a suivre tout ça n'a manger c'est en pile fois c'est dans moyen que sorti généralement kounya là nous important qui bagarre mais si nous t'avons encouragé de planter rit la caillou et puis nous t'appé et valoriser au moins tu arrête dans champ tu arrête dans moyen puis tu toujours planter tout et comme ça tu es capable de manger et grand pile en pile fois tout population haïtienne là c'est de ça que vivent tout de bagarre dans champ et dans monyo c'est que Tanama c'est petit planter que lié tout et so c'est ça que m'd'a dit à suivre Tanama et encourager et Tanama encourager artiste là tout et parce que me penser que travail que m'a fait a gain valeur et m'a pas fait pour moi seulement m'a fait pour timonyo tout surtout et m'a fait pour le monde parce que c'est vraiment pas avec la terre parce que nous là on a passé et mais qui ça n'a quitté pour ça qu'a venir puis qu'a suivre. Merci. Thank you. On va serait de ajouter un bagage avant nous continuer. Oui. Alors c'est toujours éducation mesdames yo, moi te voulais dire que sous même ça madame Caroline t'a dit tout à l'heure li vraiment difficile pour changer habitude et c'est tout mauvais habitude surtout les plus faciles et pas facile même
si moi connais qui pi bon bagage pour faire qui bon comportement pour adopter. Il n'est pas facile. Les confins de l'eau, les cuisines, il y a des bagailles qui sont bonnes pour vous et qui ont des moins efforts, qui ont des moins dépenses. Okay? Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment important de nous concentrer, de nous focus sur le monde, sur l'éducation du monde. Depuis tout petit, nous connaissons qui est bon, qui est pas bon pour faire, qui est bon attitude pour gagner et qui est bon comportement pour gagner. Yo li pi facile pour intégrer ça dans la vie. Et mesdames nous yo, la vie ni pou naïve, c'est le ça que moi ouais, moi apprendre que moun par exemple, li médifé avec sa chaîne noire. Yo li médifé avec et en forme ça qui ça yo fait plein boîte yo, même dans dehors yo. Alors que depuis tout petit, moi levé moi maman si la servi à charbon, la plume, nous quand là pour chadec, nous toujours mettez ça chadec pour chadec séché et comme ça les que nous besoin de mettre nous servir avec ça au boulot mettre. C'est vrai en même temps yo utiliser charbon pour faire ça, pour boulot mettre qui pas bon pour faire charbon pour les en bois pour faire charbon qui pas bon. Mais notre bagarre là pour la faire grave, non seulement mettre sur ça yo prend pour l'emboîter yo boule yo pour capable li médifier donc les qui vient apprendre ba ça c'est vraiment terrible non seulement pour santé timon mais connait environnement tout ça comme si ça pas côté comme négatif donc c'était vraiment un combat tous les jours pour apprendre yo parler avec yo sur l'enjeu gain dans ça sur alternative qui est parce que ça qui gagne dans ça c'est alternative. Il est facile pour dire pas faire ça mais alternative j'ai vraiment besoin d'alternative. OK qui ça peut pas faire au lieu de ça et mais qui ça va aider nous vraiment le faire ça au lieu de nous faire ça qui pas bon pour l'environnement et qui pas bon pour nous tout à la fin. Donc et ça vraiment c'était un combat pour nous traverser changer habitude et capable dire ça qui fait nous plaisir ça c'est parce que les petits nous yo travaille dans l'idée yo apprendre dans l'idée yo pas qu'embé pour yo yo la caillou yo parler de ça yo apprendre yo éducatif les petits sérieux yo petits amis yo parler maman yo parler avec famille OK donc yo pas qu'embé ça yo gagner ça yo apprendre et ça c'est vraiment important. Et je pense que ça va nous capable dire une idée de qui gens et éducation est vraiment important dans bas âge comment il est important que nous vraiment focus sur les jeunes que nous focus sur les mounios c'est vraiment là pour ces changements aussi parce que les gens ont devenu habitués c'est difficile de changer bas âge c'est difficile de laisser changer et comportement mounios oui surtout dans fait dans poser des actions qui pour yo penser qui facile pour yo OK qui va vraiment déranger dans poche OK pas demander dépenser plus quoi OK donc il est vraiment important que nous focus sur ti mesdames yo sur ti jeunes yo sur ti moun yo et penser la changement ça. Yeah, moi d'accord avec ça. Surtout en province tout déjà que mon yo nan mitan environnement si yo gon comportement qui pi en faveur et entourage yo si yo connaît qui ça pour faire c'est pas seulement dire pas faire ça mais c'est dire yo qui ça pour faire à qui ça va remplacer mauvais ça va utiliser c'est gens dit l'en ba yo alternative là tout parce que nous jeunes ça en pile, nous jeunes en pile monde qui a dit pas faire ça, pas faire ça, qui ça pour faire. En pile fois on a dit pas j'étais fatra dans la rue, même pas ouais pour belle dans la rue passer ça non plus. Pas ouais pour belle passer ça non plus. Même les gars pour belle là qui était débordé avant la mairie vienne passer prendre. Donc en même temps on a plein mais c'est en même temps tout ne pas porter solution vraiment pour mon yo par rapport à ndaka di envie moun nan ta gen pou fon geste donc nou rend travay moun nan pi difficile tout même bwa donc li vraiment important pou nou abordab surtout pou moun ki nan nou et panel la te très très instructif nou te vraiment donc merci en pile parce que nou te la
Et bon, nous allons passer à la deuxième panel là qui l'a déjà tout. Donc, yeah. Encore ma bouquet pour un petit suivi pour petit avec Peniel qui a monté sur Zoom dans Konya. On a bon 1 minute et puis ma. Ouais, ça m'a fait plaisir. Et Wendy, en vain, est-ce que nous pouvons permettre de zombie en vain, peut-être parce que moi, je suis obligé d'aller moi-même. Et nous avons dit que le deuxième livre m'a sorti le 17 juin. Et moi, j'ai une chance que l'ambassade haïtienne qui est Washington, et il y a un ouvert porte pour moi pour me présenter le livre. Et non seulement ça, tout grand parc, tout, j'aimerais t'avoir dit en commencement que le Montgomery Park qui Washington, qui a une possibilité tout pour moi, et font 20 signatures tout dans le parc là. Et puis, un store tout qui vend une bande dessinée. C'est la première fois que j'ai accueilli une bande dessinée haïtienne et il a ouvert le porte tout pour moi, présenter Tanama. Je pense que son grand premier homme t'a envie de dire ça. Et pour mon cas connaît, le travail que m'a fait, le travail tout que Tanama, l'impact que Tanama a fait. Parce que, et je toujours dit ça que c'est pas pour moi que m'a travaillé. Et je pense que Tanama, c'est un plus gros exemple que moi-même, en tant qu'être humain qui gagne pile et faiblesse, qui gagne pile et lacune, qui par rapport fait mais Tanama et en tant que femme en tant que on met que son personnage fictif mais son modèle et que les cahiers pour les jeunes et c'est ça que j'avais ajouté et pas carré était malheureusement mais merci encore et pour l'invitation ça a vraiment fait un plaisir que vous fait que vous invitez et que les femmes qu'on senti que haïtien pareil mais pas comprendre vraiment ça m'a fait pas même valoriser ça m'a fait mais je dis et je pense que ça fait un plaisir que moi là parmi les femmes tout qui a fait un travail positif dans la société alors merci un peu d'accord Tony et moi vraiment féliciter pour le travail à faire avec toute l'opportunité même pour pratiquement représenter Kiltia représenter Haïti et ça vraiment important tout pour nous bay on l'autre image du pays là. Donc oui. Même n'a pas continué et n'a pas été en contact. Ok. Donc, moi, je vais passer à deuxième panel nous. Deuxième panel nous pour Aswea. Bon, après-midi, après-midi, Abgen Rika, Abgen Gloria, Abgen Peniel. Donc, Erika, son content creator, son créateur de contenu. Et mais moi vraiment aimé travail Erika. Par contre c'est Erika pour photographe mais ma petite j'en dis ça aimé Erika fait photo et il est vraiment focus nakadi sur la nature sur environnement sur et m'd'akadi entourage li pour moi son monde qui bon bon connexion à entourage li et ça qui vraiment important parce que à travers travail il fait c'est en façon tout pour lui exposer un autre image pays à travers créativité côté que li vraiment vend une image qui vraiment intéressant. Gloria moi quoi ça c'est n'importe troisième conférence que faire avec Gloria moi pas ma fin songer et Gloria son monde que vraiment apprendre apprécier. Gloria c'est fondatrice photo journée qui c'est une initiative qui focus sur photographie et photographie un peu je vais dire ça, je ne vais pas continuer ça, mais qui focus tout sur l'environnement, sur la nature, sur l'entourage, sur le pays, sur l'entourage qui est ou le pays à travers la caméra. Donc, c'est comme ça, on si j'en ouais travail photo journée, mais Gloria, vous pouvez parler plus de ça, de qui ça photo journée exactement. Et puis, nous avons Peniel qui vient pour monter ce panel-là tout de suite, s'il parle déjà, je ne sais pas. En Peniel qui sont photographes de profession tout, mais Peniel vraiment bon focus sur pays en général. Donc Peniel c'est monde qui a voyagé
dans tout pays, dans l'autre département, prendre photo, faire vidéo, et qui vraiment, vraiment attirant et qui vend dans l'autre image de nature là, en général. Donc, on va commencer avec Gloria pour parler nous de travailler. Donc, bonsoir Wendy, bonsoir tout le monde qui est dans le panel là et tout le monde qui a suivi le meeting ça. C'est un plaisir pour moi d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de comment m'utiliser le travail moi, pour me voir une belle facette de Haïti. Donc, pour commencer, mon nom c'est Gloria Sylvain, moi c'est un artiste peintre. Moi fait street art, moi c'est une graffeuse et aussi moi c'est un photographe, même plus accentué sur photographie avec téléphone. Donc pour côté graffeuse là, moi qu'a dit que moi été recevoir formation grâce à Festival Graffiti à travers atelier street art féminin qui a été organisé il y a de cela 2 ans. Donc, on a dit que moi fais partie de jeunes graffeuses haïtiennes filles meilleures parce que en Haïti, domaine plus dominé par des hommes. Et j'en ai dit là, moi aussi un photographe, spécialement utiliser caméra téléphone moi, pour prendre de belles prises. Pour qui ça caméra téléphone moi parce que on peut remarquer que un pile monde qui attend de se passer que pour faire une belle photo faut ou gain un matériel qui est assez coûteux et pour pas comme ça passer en photo une belle photo c'est pas seulement qualité image là mais c'est histoire qui cache derrière image là. Donc c'est ça que moi te veux vendre à travers projet moi qui c'est photo journée photo du jour. M'a bien pour parler de ça plus en détail tout à l'heure. Donc merci en gros c'est ça. Oui, donc Erika sur Wendy mute. Oublié. On va commencer avec Erika. Désolée. Bonsoir tout le monde, bonsoir Andy, Gloria, avec tout le monde qui a suivi live là. Moi c'est Erika Boubeuf, moi c'est un multi-artiste parce que moi fais photographie, peinture, dessin. Comment on dit ça? Dessin électronique avec tablette, oui, dessin digital. Yeah. Moi fais bijoux avec matériel recyclable. Moi écrit, enfin moi font pile bagay, mais essence tout ça m'a fait c'est pour ka aider moun yo gon l'autre vision de la vie que y a vivre là, parce que majorité moun yo toujours mette un masque sur la vie comme si que la vie toujours pral aller non en direction qui pas bon pour yo, alors que c'est pas vrai. Toujours gen un petit bagay que ou pas prêter attention avec qui autour de ou, mais qui a toujours pour ton bagage qui est différent dans la vie. Et c'est ça m'a fait se projeter à travers œuvre. OK, Erika. Oui, c'est vrai, moi oublié de mettre des bijoux. Je lève ta présentation. Erika fait des séries de belles bijoux. Et le plus souvent avec des pierres, c'est ça, avec des pierres vraiment magnifiques. Donc, but panel ça, c'est pour parler de qui gens ont qu'à utiliser créativité ou qui gens ont qu'à utiliser artisanat qui va faire pour d'accadie et lever conscience moun sur environnement, que ce soit pour montrer bon côté ou bien pour montrer et garder ça j'en lial pas bon mais ça me pense nous te qu'à faire ou bien nous comprendre ça me dit ya. Donc pour moi surtout photographie c'est un bagage. Des fois moi trouve que grand pile jeune qui prend photographie à la légère seulement pour faire de l'argent. Oui, c'est un bagage pour faire comme tout, mais là prend photographie à tant qu'on vraiment là utiliser graphie à tant qu'on un outil artistique, il vient plus que ça. Et les cas servent pour faire passer message, pour
fait un pile l'autre bagaille et que moi retrouver dans travail que ce soit Eka, que ce soit Peniel, que ce soit Gloria. Donc première question m'a bien pour nous c'est surtout avec boom qui t'a gagné aux alentours de 2016-2017 et qu'on boom de photographes pour faire photo like les photos de d'anniversaire, les photos de profil, c'est bon, boum, tout le monde vient photographe, ok. Donc qui s'attend vous c'est nous même pas entrer dans le chemin à faire photo de mariage seulement, de photo de anniversaire avec Blad, pas critiquer, mais pour nous entrer dans le chemin de d'acadie photographie artistique, photographie créative. Donc, qui ça t'a poussé nous vers le chemin ça? On va commencer avec Gloria. Donc, ça fait un peu rire tout à l'heure. Alors, tu as eu un boom vers 2016 et 2017. Et effectivement, c'est vrai. Parce que moi, j'ai l'école, c'était genre, tu as eu un pile fête et puis tu as eu un photographe qui te connaît plein. Depuis tel photographe, pas de fait tout ce que fait ou pas de réussi, etc. Donc, c'était un pile, à l'époque, c'était vraiment pile, un boom, que tu as dit, de monde qui fait photo, événement et tout. Et moi-même, quand je dis que déclic a commencé, bon, c'est vrai que pendant la période, ça, c'était une période assez difficile pour tout haïtien, parce que c'était une période locke là. Même te servir à la période ça pour me plus productif, parce que déjà, l'environnement, côté ma vie, le pays n'a pas de bon, pays a été en bouleverse. Donc, je ne voulais pas venir dans une situation côté même moi-même pour me stable. Donc, même moi-même pour ne pas avancer. Donc, c'est dans l'optique ça, de commencer comme si je fais photo avec tout bagage qui était dans la caille, parce que je n'ai pas de cas sorti. Donc, c'est seulement mon téléphone moi, que je gagne et puis ça qui entoure dans la caille. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à occuper l'esprit, j'ai commencé créatif, j'ai commencé productif. Dans ce sens, à côté, j'ai créé des séries de concepts, que ce soit avec comme si souple, que ce soit avec tout ça, j'ai joué dans le salon, dans la chambre et tout. J'ai créé des séries de concepts et j'ai pris moi en photo. Et si j'ai dit que c'est comme ça, ça commencé vraiment. Bien que tu aies critiqué mon pile là, quand même, tu es mon homme, tu as dit, ça va faire comme ça, pour qui ça, on va utiliser souple là, ou bien tassio pour faire ça, etc. Donc, c'était une façon pour moi, pas tomber en dépression totale, et aussi pour moi productif. Donc, encore après ça, tu es venu gagner COVID, et puis tu es venu gagner l'autre, parce que j'ai autre chronologique là bien. Et donc, tout le monde était là, caillou, encore une fois. Donc, on te dit, ah, comment j'aime la photographie et comment j'aime ça m'a fait, comment j'aime utiliser de ces deux bagailles qui entourent pour produire l'autre bagaille. On a décidé de former dans ce sens-là. Et c'est comme ça que on a commencé à prendre des cours online sur Internet, grâce à téléphone, moi encore, sur photographie sur téléphone. Et on m'a dit que c'est comme ça que un monde pour photographie sur téléphone a commencé. Virer tourner, c'est faire photo, tout ça que moi ouais, tout ça que m'a gardé. Et c'est ça que m'a dit qui était occupé temps et qui était venu passion. Et on m'a fait ouais que photographie pas seulement arrêter dans quatre photographies à côté m'a tap capturer moment. Mais il était venu permettre moi aller mieux, me dit il était un petit genre thérapeutique pour moi, que ce soit le fait que m'a observé ça qui entoure et puis pour capturer et aussi le fin capturer pour méditer pour ranger couleur yo, saturation yo, et au paramètre que j'en moi voulais là. Donc me dit tout ça t'es de mon pile pendant la période de bouleversa. Et avant, moi, t'es qu'on partage les photos mieux sous Medium, Instagram et puis WhatsApp. C'était juste pour le plaisir, juste pour montrer moi qui connaît mieux et puis abonner mieux. Mais ça me fait pendant le temps confinement, pendant le temps lock là. Et à mon grand étonnement, t'es commencé à joindre ces feedbacks
sous photo mieux. Genre de monde qui a dit oh Gloria, c'est joli. Oh Gloria, est-ce que tu as une caméra? Oh Gloria, comment tu fais pour faire tes photos et tout. Pas seulement faire photographie pour faire photographie, mais te faire photographie tout pour partager un message qui était nous habitués, ouais, mais nous oublier garder. C'est pas comme philosophie, mais quand dit côté pendant ma observer ça qui entoure mieux, moi qui apprendre qu'on est que à la vie pam faut aller au fur et à mesure. Genre toute bagaille c'est un processus, si passé à guette passé, faut rester dans présent pour ma vie ça ma vivre là et tant comme si l'avenir venait tout d'ailleurs être fait au fur et à mesure. Donc tu as dit photographie aider littéralement changer vision de la vie, aider changer vision de comment moi de ces deux bagages, et c'est comme ça monter et c'est ça monter partager dès la base avec une plus grande audience. Donc on va dire c'est comme ça que projet photo journée prend naissance. D'ailleurs, ça va faire dans quelques jours, on va le fêter un an d'existence le 13 juin. Donc, comme le moment passé de ces deux bagages que tu vis comme si il y a de cela un an, ça vraiment fait réaliser le ces deux bagages et ouais, que mon yo vraiment qu'a utilisé photographie pour y aller bien. Donc photographie, photojournée, hein, c'est un projet côté moyen allié, c'est un challenge en même temps un projet côté moyen utiliser photographie pour moi faire passer en philosophie, pour moi faire passer en expérience et côté m'a invité monde entrer dans expérience ça pour partager photos que yo fait surtout avec caméra téléphone yo et après challenge ça moi organiser une exposition photo c'est première fois organiser une exposition photo fait avec téléphone de meilleures photos qui étaient retenues pendant challenge donc pour première édition challenge dans tes déroulé sur un thème précis qui c'est non habitué ouais mais non bien gardé côté moi t'as invité mon yo prêter attention plus à ça qui entoure yo et moi bien content d'avoir invité ma panel ça parce que mon cas dit que nature là vraiment aidé que ce soit en tant que personne et en tant qu'artiste parce que sa nature là me t'a dit que photo je n'étais capable là je dis hein. Donc pendant premier challenge là qui recevoir bon en 400 photos m'a dit que ce soit de monde que me connaît de monde que me pas connaît et au top partager expérience sur même de comment ils vivent challenge et tout et après moi j'ai organisé une exposition et année ça moi j'ai venir refaire expérience là en l'autre gens côté moi t'ai venir comme tu as dit agrandir challenge pour couvrir tout département yo donc pour édition ça moi t'ai invité que ce soit mon Port-au-Prince, que ce soit mon dans le département, pour vous montrer comment bon la caille. Parce que moi, j'ai fait un remarque qui c'est pendant toute période d'insécurité, tout fait négatif qui a passé dans le pays, il y a le seuil de côté qui est toujours belle, il y a le seuil de côté qui gain site touristique qui l'a toujours, bien que gain pile qui a détruit. Et puis gagne un pile qui l'a toujours gagne de ces deux côtés on par exemple on monde qui vit tellement réalité le pas même on monde qui vit au cap haïtien ou bien non même Port-au-Prince bien Carrefour côté gagne gang et tout donc on t'a invité mon yo capture moment ça me met avec photographie surtout c'est que moi qui capturer un moment que pas chambre ou dans la vie en moins que une seconde et parce que son bail extraordinaire que nous quatre pas ouais ça même tout fait extraordinaire que avec un petit appareil ou qu'a figé un moment que pas jamais qu'a ouais donc en gros c'est ça avec projet photojournée ouais et comment il y a un impact dans la vie et comment tu veux partager ça avec mon plus grand public côté ma vente tout facettes différentes facettes pire. Ça, son bagage qui est vraiment intéressant, initiative vraiment, vraiment intéressant. Surtout avec
terme que tu as choisi, qui c'est nous habitués. Regardez, mais. Ouais, mais oubliez, regardez. So, moi, je suis allé me dire que je vais commencer. Je suis déjà remis branding là. Et je crois que c'est Dashcam des premiers work. Parce que là, je suis like, oh, non, vraiment, frère, bah, ça, c'est quoi le thème pour cette année? Et je suis vraiment, vraiment apprécié. Surtout le fait que tu es fait dans l'autre département. Okay? Et c'est parti ça. C'est important parce que des fois, il y a des crises, mais crises là, pour Prince seulement. Et les gens nous figent, nous mettent une image pour Prince seulement dans la tête. Non? Et le fait que nous sommes capables nous avons eu une possibilité de facette l'autre zone dans le pays qui vraiment soit attractive, qui vraiment belle, qui vraiment en vie ou bien qui cague une vie si nous pouvons mettre là-dedans. Donc, ça a vraiment belle et j'ai vraiment apprécié l'initiative là. Donc, on a poursuivi avec Eka. Oui. Okay. Avec bon photographie de Vingé en 2016-2017, l'homme moi que moi-même moi pourrais faire photo moi juste pas imaginer pas juste camper devant caméra et puis bah on pose et puis bah il a fini là juste pas de cas imaginer comme ça. Donc moi précisément nous prenons téléphone nous ensemble nous fini nous déchaînons dans cas là prend tout bagage qui a fait bel concept depuis nous well li ka font concept donc nous tous les deux nous commencer faire photo post sur Instagram mais Instagram n'est pas vraiment premier objectif nous juste faire pour nous ça faire belle photo pour ka voir que nous pas rase parce que dans période ça nous t'ai rete font amara en période côté qui va gagner problème en 2019 nous commencer faire photo et puis bagay ça vient chambouler complètement tout comme si quotidien nous et puis papa prend nous il voyait nous côte de fer pour nous pas dans environnement bagay ça et puis là nous rive côte de fer nous commencer rase encore pas gain signal internet pas vraiment gain côté pour charger téléphone nous pas ça pour nous faire. Et puis nous jouons nous qui vont faire nos solaires. Et puis nous commençons à retourner dans faire photo encore. Et dans faire photo, monde comme si c'est là nous venons nous compte que éducation que nous gagnons la ville là, bah nous comprenons dans ville là, c'est pas ça que monde en province comprend. Relation que nous mêmes nous te gagnons avec la nature, là nous te pas au prince, je nous te à l'aise à manger plantes, coucher dans zèb, là nous venons en province, nous nous jetons à regarder nos doigts. Chaque nous vont côté regarder nous gon photo moi fait sur Instagram côté moi même avec semaine nous non chant té bon dame qui te paraît dame n'a dit que c'est cérémonie jam n'a fait tellement que relation gain avec nature c'est pas même ça nous gain nous comme si nous té ouais bel environnement nous ouais chant photo après belle gens comment nous ca arranger bagaille et puis dame n'a paraît li dit non c'est loin de parler sur bagaille n'a posé toutes nos questions. Donc nous devons raconter histoire avec photo que m'a fait. Parce que c'est pas seulement on est prêté devant caméra et puis OK nous font poser puis tout bagage fini là. Faut ou ca raconter un bagage avec peur voix faire. Sou pas ca raconter une histoire avec peur voix faire qui impact la gain, qui changement on capoter. Donc c'est ça me devons faire. Dans photo m'a fait gain pile photo chaque fois au moins ca dit que son caractère différent que m'gain ba au nom chaque coiffure gon personnage qui vient là-dedans comme c'est comprendre tête ou comprendre comment on réagir avec environnement son apprentissage pour même et puis l'on fait photo à l'autre monde a regardé il y a apprendre l'autre bagage que peut-être ou même on va ca ouais mais au même yo comprendre. Donc, c'est tout ça qui est, c'est comme ça, bah, elle a commencé. OK, ça vraiment intéressant et étonnant tout, surtout avec anecdote ou banon de expérience dans la ville de New York que nous ne devons pas imaginer. Donc, c'est ça que je pense que même thème et Gloria allait avec, et si thème n'a pas arrivé plus toujours en province, parce que
pas oublier normalement des fois on chante on d'accadi on rage on chante province c'est pas un côté pour mon al d'accadi al font connexion entre la nature c'est moyen de survie mon allié c'est avec lui manger c'est le plus souvent c'est comme ça lui well c'est chante c'est ça le planter l'histoire sous lui donc le plus souvent c'est la manger et chanter c'est pas on d'accord d'un côté pour aller chercher une connexion pour aller font pour aller montrer mon salier donc ça me carrel comme ça tout donc n'a pas poursuivi avec Peniel par contre si Peniel est en train là elle me te pose question non moi c'est pas là non ça va poser question donc comme OK comme pour te présenter donc tout profiter de présenter avec travail pas et question c'était qui ça t'es pour utiliser talent photographe pour m'ta dire connecter avec la nature pour on s'est exposé beauté pays donc qui ça t'es pour prendre chemin ça. Bonsoir tout le monde, monsieur Peniel, et avant tout vous excusez pour le je viens d'arriver à Capel c'est le président. Alors, moi, je ne suis pas différent de nous-mêmes. Moi, je commence ma photographie maintenant. Moi, je commence ma photographie en 2019. C'était pratiquement la même situation. Et non, tout ça. Je n'ai pas gagné d'activité comme si. Travail mon papa fonctionné, j'ai une bonne déclaration de personnes, et puis, non, sur Internet, tout ça. Et puis, avec TikTok, je suis venu à prendre une période-là, et puis, je me suis dit, wow, ça a son opportunité pour m'apprendre sur mon page vidéo, pour m'apprendre sur tout. Et puis, du coup, je me suis dit, je téléphone, je recherche, et puis, ça a même tombé dans mon photographie, avec vidéographie, et puis, j'ai décidé d'acheter mes caméras. Mais beaucoup orienté vers comme si je connais ça comme si comment aller en province faire vidéo monter de la scène en pays hein que puisse commencer même avec un photographe ça fait tout portrait après mariage et voilà tout ça et puis ça devient déclenché ça dans mon rêve devient mon travail et en savoir et puis pendant ma préparation à vous et puis je suis profité à faire tout ce que je veux là dans des belles vagues qui viennent je me dis wow c'est une très belle occasion pour moi je vais capturer cette belle image et de ville là puis pour me projeter sur internet et puis effectivement et moi je fais ça et ça s'est fait un bel impact et je suis pas un bon impact et je me dis wow c'est une très belle opportunité pas seulement pour moi, mais pour un peu de monde qui peut être à Port-au-Prince ou bien à l'étranger, qui chaque jour après une nouvelle image seulement, une nouvelle nouvelle, tout ça, et qui nous dit sur possibilité de me projeter une image sur la voie, on est à super de pays. Parce que, imaginez, dans le moment où on est à vous, c'était vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Calmement fait, totalement fait, pendant que bon, c'est un moment qui a été une turbulence, qui a été une situation déjà. Et puis, l'homme fait travail ça, il m'a fait un film, il m'a fait ça. Et puis, c'est dans sa vie, à ça, tout à fait. Parce que l'homme fait photo mariage, c'est un peu plus confiant, qui est insatisfait, l'homme fait photo mariage, il m'a satisfait tout ça, mais il n'est pas bon impact. Comme si une situation qui manque d'engagement vraiment du coup je vais faire ça les sensibilités plus loin pour ça nous allons les permettre de voir comme si payer en l'autre genre narration en l'autre genre c'est la seule sécurité c'est seulement c'est un peu le bail. Donc ça veut dire que chaque fois une occasion pour aller occuper pour la mettre dans le journal. Mais par ce projet personnellement, j'ai une vidéo pour venir. Je vais vous donner une vidéo pour vous dire que vous avez une vidéo pour vous dire que vous avez une vidéo pour vous dire
Ça m'a vraiment aimé notre travail Pignel. Des fois, il y a des vidéos Pignel mal regardées. C'est la première fois que j'ai écouté ça. De un, de deux, des fois, j'ai l'impression que même, comme si on paquet l'autre monde, qui même dans la zone côté de la l'air, qui pas même qu'on va aller écouter. Parce que des fois, quand on filme écouter, poster écouter, puis l'on regarde dans les commentaires, on va demander écouter ça et là, ça c'est Haïti. Like yes, qui ont pile bel côté Haïti qui vraiment attend nous, nous juste doit soit découvrir ou bien j'en dis à exploiter au plus. Donc c'est pour moi même photographie son outil qui vraiment important. Et gien bagaille qui était au bagaille qui toujours attire attention. Première fois moi monté sur internet, moi tapé Haïti tout court, c'était dans commencement année, moi t'ai Miami et puis moi tapé Haïti tout court sur internet parce que moi t'ai cherché une image pour un bagage que moi t'ai brand. Et puis maintenant pas d'image, le monté, I'm like ça va passer là. On paquet vieux photo, on paquet photo fatra seulement, on paquet bagage qui vraiment vraiment dénigrant. Et ça t'ai vraiment attiré attention. Ça t'a vraiment attiré attention parce que moi dit bon pour qui ça EMC d'accord c'est image ça seulement qui gagne dans pays ça c'est photo ça seulement et photographie surtout par rapport à ça Gloria te dit avec téléphone pour qui ça un jeune haïtien prend téléphone pour faire une photo le plus souvent son bagage dénigrant les prend faire photo et puis poster une font blague sans que le pas connaît que photo ça il pas il tout rester sur internet la vie. Il va c'est lui qui va le paraître là au monde tapé Haïti parce que photo ça il tout reste sur internet là il tout attaché à zone côté terre etc etc parce que le monde internet il est interconnecté donc en pile fois son bagage qui m'ta ka dit qui automatique dans tête jeune les ouais photo fatra juste photo fatra les ouais photo bagage qui vraiment dénigrant un bagage qui vraiment dénigrant fait vidéo et puis
il y a pas vraiment inquiété ou de conséquences là. Donc nous pensons que le fait que gagne des jeunes gagne des timoun qui focus qui utilisent talent photographie mais qui utilisent téléphone pour faire un autre message passer pour voir une autre image poster une autre image du pays, ça c'est vraiment important parce que tout dans le pays, bon, majorité de nous dans le pays, soit un téléphone, soit une tablette, soit une caméra. Donc, nous sommes capables de vendre notre image du pays, nous sommes capables de vendre notre image de l'environnement du pays, si nous tous d'académie de tête ensemble. Nous avons un côté, nous avons Jacques Mel, c'est pas seulement faire une vidéo dans le club là, mais nous avons fait une vidéo pendant que nous avons un marché. Ou pendant on a marché non route pour aller dans le club là pendant la caille ou pour regarder soleil là ouais yo ça belle bon prend ça c'est pas seulement pendant dans le club là pour faire vidéo lumière faire vidéo ambiance donc qui ça t'es qu'à réveiller sentiment ça là quand monde d'après nous qui ça t'es qu'à réveiller sentiment ça la caille des séries jeunes n'est pas facile caille tout le monde chaque monde gagne ta carte mon personnalité. Mais si nous avons pour nous former les jeunes sur la photographie, la nature, sur la connexion à la nature, sur la sensibilisation à la protection, l'image du pays, qui j'en ai fait, qui meilleure façon de faire ça. Nous avons commencé avec Gloria. Donc, je pense que la meilleure façon de faire pour sensibilité. Pour sensibiliser les jeunes, pour essayer de images plus positives de PIA, c'est bon. Les cas, ça me va dire pour tourner autour de moi encore, même penser ces façons, ça me cas utiliser pour inciter plus jeunes pour images positives, c'est utiliser créativité pour vendre une image positive de PIA. Pour moi qui par contre si moi qui en bas qui na panel là sur page journal page personnellement moi toujours utiliser caméra téléphone moi comme c'est ça m'a pourné pour faire des séries de mini vlogs pour faire de séries de vidéos de tout côté de en pile bon de peu de côté visiter dans le pays le plus souvent m'aller au Cap sur route au Cap ou bien de séries de séries de côté dans la capitale là qui est assez intéressant côté ma vente en image positive de pays là. Donc parce que si on monde doit faire un bagage faut garder son monde pour le cas reproduire ou bien pour le cas inspirer donc et ça me pense qui a encouragé qui a sensibilisé ou bien qui a incité les jeunes pour vendre une image positive du pays. Aussi, si vous avez aimé perfectionner tout l'internet là qui est pour ça, vous pouvez juste regarder le téléphone ou bien tablette, vous tapez comment faire vidéo avec téléphone ou bien comment utiliser une caméra, que ce soit professionnel ou pas, pour perfectionner le travail. Donc, c'est ça, c'est. Monde qui là pour ça, artiste, créateur, yo continue faire travail, continue partager créativité yo avec le monde parce que gagne des monde qui regarde nous, gagne des monde qui aime ça n'a fait, gagne des monde qui inspire nous de travail nous et on pense c'est en façon tout pour monde ça yo prend même chemin yo pour monde ça faire de ces deux bagages positifs. Donc c'est ça pour moi. Oui, moi d'accord avec ça tout. Si ou ka tout nou exemple pour l'autre monde, donc gen plus moun ka suivi, même jan les photos journée commencé. Gen des moun ki gen doit participer, qui pat konn faire photographie avant, c'est pendant le challenge la yo di ba essayer. Donc j'ont te di am kote di ou te recevoir 400 photos nan premier soir qui en pile, donc c'est peut-être 400 ou 300 moun ki ou arrivé inciter à garder environnement yo nan l'autre. Donc, Erika, qui s'en pense de ça? Selon moi, c'est l'éducation qui nous a vraiment changé. Pour nous montrer que ce n'est pas un bagage l'air, pour nous montrer pour nous avoir une certaine ouverture, pour nous avoir un jeu qui l'ouvre sur. Parce que la plupart du temps,
moun yo pense que c'est là où montre un bagage qui a choqué, un bagage qui l'aide, c'est là ça que y a fait regard yo braquer sur yo. Et c'est pas comme ça bailler. Donc c'est nous-mêmes comme créatifs qui pour montrer que belle bagage qui a vraiment gain impact pour gagner. Que impact belle bagage là plus haut que impact bagage qui l'aide yo kounya. Parce que si n'a regardé vrai jusqu'à présent que c'est mauvais photo, même petit mauvais photo parce que pas gain puis bon mot qualifié c'est mon photo pays jusqu'à présent qui dans top search l'a cherché sur Google et jusqu'à présent n'a fait belle bagage c'est vrai mais jusqu'à présent il faut qu'on gagne impact c'est mentalité mon pour nous changer pour nous montrer que bagage l'aide là pas rapporter rien c'est belle bagage yo on l'autre façon pour ouais bagage yo c'est ça qui a fait des changements arriver si nous pas changer mentalité aux gens mon yo a évoluer dans environnement yo pour ouais sac belle là en vent sac led là il pas vraiment gros changement si ça pas fait donc d'accord dit point par Erika c'est un sujet éduqué regard mon yo donc tourner regard mon yo son bagage qui plus positif mais en même temps tout éduquer et observateur à tout des fois c'est observateur qui vraiment attire la négativité donc même maintenant tête bon bon balle négativité donc c'est deux boyo qui méritent une éducation à la fois mon cap offrir et mon cap garder donc oui moi d'accord avec ça Peniel parce que bon l'éducation c'est le chef et le deux fait sur plateforme créateur c'est créateur l'université on va travailler la paix parce que c'est nous regarder sur ce problème et c'est nous ça on peut pas aller pour nous des images qui ça peut nous payer et on va laisser bon on écoute. Je suis allé dans le vidéo. Et bizarrement, ce qu'on a fait, c'est que je suis allé dans le message. C'est une manifestation, je suis allé dans l'image. Je suis allé dans la base, je suis allé dans l'esprit, comme si je n'ai pas pris la structure. Donc, si nous voulons faire photo, si nous voulons faire vidéo, c'est manifestation. Donc, déjà à la base, on travaille qui fait dans mon mental, je le fais avec la vidéo, parce que ce n'est pas bon. Et comme moi, par un acteur direct, comme si nous faisons éducation, comme si nous faisons faire photo, etc. Mais je pense à travers ce qu'on a fait, essayer by plus impact essayer plus impact essayer mettre plus de la vie le monde en ouest à haut là wow donc mon même tour en fait que j'aime pas mal les choses c'est ça c'est ma famille donc le monde en ouest là toujours bien vie aller dans le monde donc si tu créateur essayer concentrer plus ou bien davantage sur travail salarié. Et ma question est du tout, est-ce qu'on est grand pile pays qu'il y a, il y a des, comme si on est grand pile affluence au niveau du sexe, c'est créateur, c'est vidéo, c'est plus, c'est fait ça. Donc, Bali, par exemple, en Indonésie. Bali, en Indonésie, son côté, un pile pour y aller. Et bizarrement, c'est une équipe qui tellement de vidéos noyées dans ça. Donc, ça vient créer un sentiment comme si, même si l'Indonésie soit pas un pays trop belle, mais le fait que le créateur, comme si produit un fil sur Bali, monter belle côté de Bali, donc de tout monter sur le côté de Bali, comme tout le automatiquement, c'est une belle bagarre appropriée. Donc, moi, c'est le travail ça qui est fait ici. Donc, pour nous essayer, je ne suis plus créateur que je n'ai pas fait le même travail. Et quand on essaie de perfectionner le jour en jour, montrer plus belle aspect du pays.
et ça permet que les jeunes capturent la plus grande illusion en faire comme ça. Moi d'accord avec ça vraiment son bagage moi remarqué tout et nous venons gagner on t'a qu'à dire on change tout par rapport avec évolution réseaux sociaux donc plus créateur international yo a créé contenu yo pas yo créé bon contenu yo créé bon contenu c'est plus ça attire touristes c'est plus monde à visiter là maintenant si ou son monde quand ils en focus Reels Instagram ou bien TikTok des fois pour essayer le monde qui parle des côtés que pas de penser surtout américain tablier là tout le monde gon vague d'accord même de folie aller en Afrique de côté en Afrique et aller en Grèce aller pas quelque côté ça c'est grâce à travail et un créateur de contenu grâce à travail photographe grâce à travail vidéaste donc yo même les on passe ce genre de dire là tout c'est un petit genre éducation yo avec yo quand ça y a chercher quand ça veut montrer donc les a partager contenu zone yo les a partager contenu pays yo quand gens représenter le quand gens vendre image pays yo vendre image jeune vraiment attractive et puis nous même moi-même gain des côtés m'a découvert même m'a mettre sur liste de voyage même pas connaissent m'a jamais aller mais les vidéos sont parfaites, les images sont parfaites, c'est belle bagay, belle plage, belle nature. Et ce n'est pas des bagay qui d'Aradou qui dans cette ville là. C'est des bagay qui vraiment reculés, qui connectent à la nature, une autre expérience que nous pas qu'on a mis sur les réseaux sociaux. Donc, qui est vraiment intéressant. Donc, nous avons des outils, nous avons des côtés pour nous exposer. Je pense que c'est volontaire. Nous manquons seulement par rapport à l'autre jeune. Donc, on va cette dernière question que m'a posé. C'est à, si nous avons un message pour l'autre monde qui a un photographe ou bien un monde qui a une aspiration photographe ou un monde qui a un téléphone qui a utilisé pour le protéger et projeter une plus bonne image de l'environnement pays a parce que malgré ça il le monde veut faire nous quoi Haïti pas on était sec je vais continuer à dire même chiffre que nous tout connaît de 3% c'est pas vrai moi même je peux dire ça là maintenant de 3% de verdure je sais pas comment dire ça verdure forestière yes c'est même pas vrai donc si nous avons un message pour je ne sais pas ça d'appuyer Erika? Mais ça, là, je fais un jeune, c'est pas limiter vision avec un bagay qui pas fait que au content. Depuis où est un bagay qui pas fort plaisir, pas fait photo. Cherchez un bagay qui ka mette plus lumière qui ka gagne. Parce que monde nan vive là, si nous focus sur ça qui pas bon, nous dirigeons nous côté qui pas vraiment bon pour nous. Parce que nous toutes faisons partie de la nature, pas une division, nous toutes c'est la nature. Nous. Si nous pas rester ouais bon bagaille, c'est mauvais bagaille qui a privé. Pour ça qu'il y a un changement, pour ça qu'il y a une belle bagaille, pour ça qu'il y a une lumière. C'est ça le message que je vous ai. Gloria? Donc, message, nous avons gagné pour un amateur en photographie ou bien... Surtout pour les amateurs en photographie, pour commencer avec lui, pour vendre une image positive de pays, c'est faire premier pas. J'ai toujours remarqué que quel que soit ça, commencer, l'étape qui est plus difficile, là, c'est faire premier pas, faire commencement, parce qu'on n'est pas prêt, surtout mentalement, pour commencer, surtout soit évoluer dans le pays, même côté... il y a pile nouvelle négative, il y a pile on négatif qu'a confirmé non. Donc on passe premier bagage pour faire c'est connait son remet et puis faire premier pas. Ensuite, l'offre une faire premier pas au cap en forme, au cap fictionnel dans utiliser son gain pour faire passer son gain passer
par exemple, grâce à la technologie, ou bien téléphone, ou bien caméra téléphone, ou pour qu'on ait moyen pour acheter un bon caméra pour vendre l'image, ou les vendre. Et puis, il y a aussi Internet là, qui est là pour ça, que ce soit YouTube, que ce soit pile l'autre site que on peut utiliser juste pour tout nos autodidactes et puis pour vendre l'image, ou les vendre de propre. Et puis, je pense que l'autre bagaille, c'est apprendre. Comme tu as dit ça, apprendre à développer sens d'observation, la caille. Moi-même, je suis quelqu'un qui aime observer en pile. Et je pense que c'est une bagaille qui était poussée à aller vers la photographie. Donc, il y a un peu de monde qui dit, oh, je n'ai pas l'œil, je ne vois pas ce qu'il y a à apprendre, mon bagaille. Et moi, toujours songer, il y a une première leçon en photographie, le monsieur a parlé, c'était en cours là, qui a dit que faut qu'on apprenne à observer tout ça qui est entouré, tout ça qui vient déjà exister, et que c'est eux-mêmes qui peuvent apprendre à découvrir parce qu'ils sont là déjà. Donc, moi, c'est le troisième bagaille. Donc, premier bagaille là, c'est pas peur commencer. Deuxième bagaille là, c'est apprendre soit faire bien perfectionner, enrichir connaissance. Et troisième bagaille là, ou bien deuxième bagaille, il y a coulé à deuxième bagaille là, tout, c'est développer un sens d'observation pour qu'on connaisse comment on apprend, soit apprendre, pour qu'on connaisse comment on vend une image, que ce soit de pays ou que ce soit de gens, de ça qui entoure. Donc, je pense que c'est ce conseil, ça, un petit travail, surtout à photographes amateurs ou bien à monde qui a aimé commencer avec photographie à téléphone et autres. Yeah, moi, je suis vraiment d'accord avec ça. Surtout côté sens d'observation, parce que c'est ça qui va guider. J'ai dit que la caméra va remplacer le jeu, donc c'est ça, ouais, on va le ouais, donc il faut qu'on qui boit pour. La game go pour capable d'essayer de capture qui est très bon. Peniel. Oui, oui. Bon. Tout simplement, et ça c'est bien un fil bagaille pour apprendre parce que si vous voulez photographier belle image grand fil belle image par rapport à ça même dans tout ça même pour toi du cristal tu es souhaité garder le souhaité dans le perspective comme ça le bagaille qui donne attirer la donne. C'est essayer de développer la créativité, la situation, la réaction, et puis pas faire commencer. Et pour amuser les caméras, avec le téléphone, ça fait déjà que je suis venu, je suis venu, je suis venu, etc. Et puis, ben, c'est ça. D'accord. Merci un peu. Merci un peu parce que nous étions là. On était vraiment, vraiment content là avec nous. Mais espérez nous tout à connecter entre nous. Pour la photo. Nous avons collaboré à l'avenir. Donc, merci. Merci encore. Yo belle, yo bien mieux à ce qu'il paraît. Exactement. Non, elle est plus mieux que ça. Donc, bon, on passe la première fin avec la conférence là, Kounia. Et tu es vraiment content avec nous toutes, les actes là, puis avant nous, que ce soit Caroline, Surette, Tony. Donc, j'espère que nous t'aies apprécié l'expérience là tout, que nous partager, nous apprendre tout. Donc, oui. Donc, merci Wendy parce que tu as pensé mettre sous pied une initiative comme ça, surtout avec venue
journée internationale de l'environnement. Merci de tout choisir. C'était un plaisir tout pour moi de partager l'expérience moi avec savoir en tant que photographe artiste. C'était un plaisir tout pour m'entendre l'autre monde, que ce soit premier panel là, que ce soit deuxième panel là, expérience yo, avis yo sur une série de points. Donc merci encore et bon après-midi tout le monde. D'accord, merci tout le monde et puis passe un bon après-midi. Soirée. D'accord. Bye bye tout le monde. Bye. Au revoir. Merci. Oh, et aussi, n'oubliez pas si y a un monde qui te branche. Oui. D'accord, bye bye. Merci, c'est fort. Ok, bye bye. Bye bye.